Pas moins de 2000 policiers seront présents ce soir aux abords du Parc des Princes, avant et pendant la rencontre qui oppose le PSG à l'Ajax Amsterdam. Match de Ligue des Champions sous très haute sécurité, alors que 95 supporters néerlandais ont déjà été interpellés hier soir à Paris. Ils étaient visiblement décidés à se battre avec leurs adversaires. Plusieurs dizaines d'entre eux sont toujours en garde à vue. Frédéric Blanouvelle, Benoît Durand-Criguel. L'opération a été menée vers minuit, dans un bar près du pont de l'Alma. 95 supporters de l'Ajax Amsterdam ont été interpellés, 54 placés en garde à vue. Il y avait donc des supporters classiques et puis quelques ultras également qui étaient bien identifiés par nos services, puisque nous avons retrouvé dans certains bars ou certains pubs des cagoules et des armes type poing américain ou barres de fer ou en bois. Selon une source policière, ces supporters voulaient en découdre avec leurs homologues parisiens. Beaucoup n'ont pas de billets pour le match, ils n'avaient donc pas le droit de faire le déplacement. Il y avait 850 supporters qui étaient listés, qui devaient être encadrés pour venir assister au match de football. Et ça, c'était tout à fait réglementé. Par contre, ceux d'hier, ils étaient plusieurs centaines, mais ils n'étaient pas 850. Ils faisaient l'objet d'un arrêté d'interdiction de déplacement du ministère de l'Intérieur en date du 20 novembre. 60 supporters parisiens avaient été interpellés en Hollande au match aller mi-septembre.